بسم الله الرحمن الرحيم. دونك باش نحاولوا نعملوا المره هذه بروجي اخر سامبل اون يوتيليزون لي لوجيسيال اي تي اس 5. دونك لو بلان باش يكون عندنا حاجه كيما هكا. دونك شكون فيه صالون باش نخدموا على شومبر 1 شومبر 2 كولوار, وفي كل في كل شومبر عندنا دو بوتون بوسوار, un bouton poussoir pour allumer la lampe elle est mojoute, par exemple le salon, et l'autre bouton poussoir pour allumer le couloir. Kif kif chambre 1, un bouton poussoir pour allumer la lampe elle est chambre en noir, et un bouton poussoir en rouge pour allumer le couloir. Pour le couloir, on a deux boutons poussoir, donc un kif kif pour allumer le couloir et l'autre bouton pour éteindre tout. Toute la lumière elle est موجودة soit في الصالون في شومبر 1 ولا في شومبر 2. دونك هذا هو البروجي نتاعنا كيفاش باش يكون. دونك اول حاجه نبداو pour écrire دونك البروجي par exemple maison 2. دونك باش نخليو كيف كيف. دونك هنا هيك سي اي بي توبولوجي سي تي بي 3 نيفو فسرناهم المرة الفاتة تظن كيفاش باش نعملوهم. دونك اوكي فوالا. دونك ميزون كيس كون فا اجوتي, اون فا اجوتي لو بيس. دونك عندنا شومبر 1 بيان سور, اون اجوت زادا عندنا شومبر 2, عندنا صالون سي سا. اوكي دونك فوالا شومبر 1 شومبر 2 صالون, وعندنا زادا كوريدوار اللي هو نسميوه الكولوار نتاعنا. داكور دونك شومبر 1 شومبر 2 كولوار اي صالون بيان سور. لهنا اون فاجوتي نوتر ارموار ici سي لو تابلو جينيرال. اوكي دونك شومبر 1 qu'est-ce qu'on a, on va ajouter des participants. Donc les participants soit on a un poussoir, donc deux boutons poussoir, voilà je me rappelle mon année, pile radio, pile radio, deux boutons poussoir, voilà je vais installer deux boutons poussoir WKT 312. Donc, je vais chercher où aller sur internet, c'est WKT 312. Voilà, WKT 312. Voilà, c'est le bouton poussoir. C'est ça, WKT 312. Donc, نجم نستعملو في شومبر 1 نفسه نستعملو في شومبر 2 ولا في شومبر 2, وكان نجمو حتى نستعملو في عود بوسوار نستعملو لونتري هنا اونتري دو زونتري انكاستري انكاستري كيف كيف دو زونتري انكاستري تي اكس بي 302 اكزومبلار. دونك TXB 302 302 voilà. Voilà, c'est une input, je vais mettre le bouton poussoir classique. Je vais ensemble là, par exemple une chambre 2, je vais ensemble le salon par exemple, et je vais ensemble maintenant و بوسوار نجمو نستعملوهم. نختارو دو بوطون بوسوار اخرين نستعملوهم بار اكزومبل الكولوار. دونك في كل شومبر عندنا دو بوطون بوسوار, في كل لوكال عندنا دو بوطون بوسوار. داكور دونك لو سورتي اللي عندنا قداش من سورتي, فوالا قداش من سورتي عندنا 1 2
3, 4. 4 sorties. Donc, sortie, on va écrire par exemple éclairage. L'éclairage, on a 4 sorties, on a 10 ampères pour l'éclairage du volet roulant. Donc, voilà, je vais installer. Ici c'est 10 sorties, voilà 4 sorties 16 ampères. Donc 4 sorties pour éclairage et chauffage. Donc là je m'en stable avec les. Donc on a 4 sorties, on va le mettre ici. Donc ici le bouton poussoir, on va le paramétrer. Donc le premier bouton poussoir, on va l'utiliser pour la chambre 1 comme étant télérecteur. Le deuxième bouton poussoir, il va être en télérecteur, voilà, chambre 1. Donc télérecteur ici pour éclairer et l'autre pour le couloir. D'accord? Donc on peut le mettre ici, il fait description, chambre 1. Voilà, on va mettre éclairage chambre 1 et ici couloir de chambre 1. Voilà, chambre 2, kiff kiff. Chambre 2, on a deux entrées. Donc on peut utiliser la première entrée, voilà, comme étant télérecteur, deuxième comme étant aussi télérecteur. Donc on a bien sûr une petite description pour faciliter la matière. Donc ici c'est éclairage chambre 1 et ici on va mettre la chambre 2 ici et ici on va mettre couloir de chambre 2 à travers la chambre 2. Voilà, j'ai un autre salon, kiff salon. Salon, donc première entrée comme étant télérecteur et la deuxième aussi. Et on peut bien sûr éclairage salon et ici. On va éclairer le couloir du salon à travers le salon, le bouton qui se trouve dans le salon. Donc il reste les deux boutons poussoir ici pour le couloir, une pour éclairer le couloir et l'autre pour fermer, pour éteindre tous les lampes existantes. Donc ici on a dans le tableau général, on a plutôt le couloir, donc on a deux boutons poussoir. On va le paramétrer bien sûr. Le premier il va être un télérecteur et le deuxième il va être en on off pour fermer tout le long. Donc ici le premier bouton poussoir ça va être éclairage couloir et le deuxième bouton pour off général. D'accord, il va être pour le off général. Donc les outputs kif kif, je vais mettre quelques descriptions sur l'output. Donc ici comme chauffe l'output 1 2 3 4, donc je semble soit le lighting, l'éclairage ou le heating. Donc il peut être utilisé soit pour le chauffage, voilà, pour l'éclairage. On peut utiliser, voilà, on peut utiliser, voilà, configurer des scénarios à travers le bouton poussoir, les statuts. Donc on a tout, on peut le mettre, on peut le configurer à travers le paramètre de l'output, participant de l'output. Donc le premier output, première sortie, c'est on on off, je vais l'utiliser pour la chambre 1. Donc l'output 2 je vais utiliser
pour la chambre 2. Chambre 2. Donc vous voyez, je peux l'utiliser en timer, en priorité, en scène et statut d'indication. L'output 3, on off. Donc elle va être pour le salon, par exemple. Et le quatrième output, il va être lié avec le couloir. Vous voyez? Donc, bien sûr, pour terminer, donc je vais utiliser participant. Donc, une fois terminé, on va ajouter les adresses du groupe. Voilà, les adresses du groupe. Donc, on ajoute l'adresse principale. Par exemple, le chauffeur marfait d'éclairage. Voilà. On est donc l'éclairage. Ok. Donc, on peut ajouter un groupe médian. Samuel, par exemple, éclairage fixe. Donc, kif, on peut ajouter par exemple. L'éclairage canal variable, d'accord, kif donc éclairage variable fixe, éclairage fixe kif, j'ajoute l'adresse du groupe le home en cours, par exemple chambre 1, chambre 2, salon couloir, d'accord. شنو عنا اخر فونكسيون اخرى اللي هي الاوف جينيرال. اوف جينيرال اللي هي باش تسكر كل اللي كاين. دونك نجم نبدلو لزادريس دو جروب نتاعنا. دونك فوالا adresses du groupe, voilà, 1-1, voilà, ici ça va être 1-2-1, 1-2-2-3-4 et 5, voilà. Donc, chambre 1 par exemple, donc chambre 1 on a deux boutons, donc le premier bouton il est dans la chambre 1 et le deuxième il va pour commander le couloir, c'est ça ou non? Voilà. Chambre 2, on a aussi deux boutons. Chambre 2 et aussi le couloir. Et on a le salon. Le salon a deux boutons. Une pour le salon et le deuxième pour le couloir. Vous voyez, il y a 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 4. Les adresses sont liées. Et on a aussi, pour le couloir, on a deux boutons. Un pour éclairer le couloir, l'autre pour la fermeture générale, off générale, ça ou non. Donc, pour l'output, bien sûr, output. Premier output, il est pour la chambre 1. Deuxième output, pour la chambre 2. Troisième output pour la chambre, pour le couloir. Et ici, le salon, voilà, avec le salon. Et l'offre générale, qu'est-ce qu'il va commander, bien sûr. Il va commander output 1, output 2, vous voyez là, les adresses, output 3, et aussi output 3 et 4, voilà, off général, voilà. Donc voilà, off général, voilà, off général. Donc on a output 1, output 2, bouton poussoir, output 3 et 4. Donc le bouton poussoir, il va commander les 4 sorties, il va éteindre 4 sorties. Donc comment on peut savoir l'état de notre lampe? Par exemple, l'état de lampe dans la chambre, est-ce qu'elle est allumée ou éteinte? Kif,
chambre 2, chambre, salon ou chambre 3 pour ne pas off pour ne pas l'allumer. D'accord? Donc elle doit rester en off. Donc, donc pour résoudre ce problème, donc on veut savoir l'état de chaque lampe. Donc comment on peut résoudre ce problème? On ajoute des informations à des retours d'état. On appelle le retour état du chambre 1. Par exemple, donc on peut commencer à partir par exemple de 100 pour différencier l'ochrina. Donc retour d'état de la chambre 2, retour d'état du salon, le retour d'état du couloir, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai mis ici? Ah non, petit problème. Donc effacer, ok. Voilà, retour d'état chambre 1, chambre 2. Voilà, 104, 105, 106 et 107. Voilà, donc ici, le retour d'état de chambre 1, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre, vous voyez ici, indication d'état. Vous voyez, indication d'état. Du bouton poussoir 1. Le bouton poussoir 1, c'est l'éclairage chambre 1. Donc, je prends, je mets ici. Kif kif ici. Chambre 1, le retour d'état pour le couloir. D'accord? Indication d'état pour le couloir du bouton poussoir numéro 2. D'accord? Donc ici, c'est le couloir. Donc, kif kif, sur chambre 2. Chambre 2. Voilà, chambre 2. Retour, indication d'état, chambre 2. Et on a ici l'indication d'état pour le couloir. Kif kif. Salon. Donc, indication d'état pour le salon et l'indication d'état pour le couloir. Et pour le bouton poussoir dans le couloir, on a indication d'état pour le couloir. Donc, pour les sorties, bien sûr, aussi, on a une indication d'état sur la sortie. Voilà, statut indication, chambre 1. Voilà. Et l'indication ici pour la chambre 2, et on a l'indication pour le salon, et ici l'indication pour le couloir. Donc voilà, donc pour savoir l'état par exemple du couloir, donc on va avoir le retour d'état sur le bouton poussoir 1, le bouton poussoir 2, le bouton poussoir du salon, le bouton poussoir du couloir lui-même et l'état de l'output 4, il y a l'allumage de l'output, l'état du couloir lui-même. D'accord? Ainsi, en examinant l'état de chaque lampe, donc on peut à travers l'offre générale donc fermer les lampes, allumées, donc garantir l'état, la fonction de offre générale. Donc une fois fait, donc on peut télécharger soit tout télécharger soit partiellement vers le module KNX et bien sûr suivre les états là sur l'écran pour la programmation. D'accord? Donc هذا هو شو موجود. Donc bien sûr كلهم سيكونوا نفس longueur du bit, le message نتاعنا. Donc فما اي question اي حاجة, donc حطوها في لي كومونتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.